Bonjour, je suis très content de vous retrouver dans ma rubrique « Le saviez-vous ? » Aujourd'hui, je vais vous parler du sens le plus important de votre chien, c'est l'odorat. Mais avant cela, je vous propose de vous abonner à ma chaîne pour voir un peu tous les thèmes que j'y aborde et de cliquer sur la cloche pour être notifié à chaque nouvelle sortie de mes vidéos. Alors, le saviez-vous que l'odorat est le sens le plus important de votre chien ? Il est 35 fois plus développé que chez nous les hommes. Il faut savoir que la membrane olfactive, qu'on appelle la membrane de Jacobson, mesure chez votre chien 130 cm² contre 3 cm² chez nous les hommes. Et il faut aussi savoir que sur cette membrane, le chien possède 200 millions de cellules olfactives contre 5 millions chez nous les hommes. On peut noter que malgré tout, tous les chiens ne sont pas égaux par rapport à ce sens, c'est-à-dire que tous les chiens à nez écrasé, tels que les bulldogs français, les boxers, auraient un odorat moins développé que certaines races. Les chiens peuvent sentir des pistes à plusieurs jours. C'est pour ça qu'on a des chiens qui conservent pour la recherche de personnes. On a des chiens aussi pour l'explosif, la drogue. Et récemment, on a des chiens même qui vont aller sentir les maladies, telles que le coronavirus. Alors on dit aussi qu'effectivement les chiens ils se reconnaissent pas, effectivement ils peuvent pas se reconnaître comme nous on l'entend. En fait il y a une expérience qui a été menée au Canada qui s'appelle l'expérience jaune. On a demandé à plusieurs chiens d'uriner sur la neige, c'est pour ça qu'on appelle l'expérience jaune puisque quand on urine sur la neige devient jaune. Et on a demandé aux chiens qui ont uriné de venir sentir les odeurs. Et en fait on s'est aperçu que les chiens ne se sont pas arrêtés ou quasiment pas arrêtés sur leur propre urine, mais ils ont été renifler les urines des autres chiens. Je finirai par une petite astuce, c'est-à-dire que si votre chien ne peut pas être lâché, n'hésitez pas à lui mettre une longe de 10 voire 15 mètres pour qu'il puisse aller renifler toutes les odeurs aux alentours. N'hésitez pas non plus à changer votre promenade, votre parcours pour qu'il puisse aller renifler de nouvelles odeurs. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'odorat de votre chien. Sur ces belles paroles, je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire. Prenez soin de vous et surtout, prenez soin de vos chiens.